tout le monde, c'est l'Arctode210 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rogue Legacy. Donc un jeu roguelike forcément. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, oui forcément, où des donjons sont générés aléatoirement. Et on passe en tuant les ennemis, en ramassant des objets pour améliorer nos compétences. Et à la fin, quand on meurt, avec les pièces qu'on a récupérées, on peut augmenter nos stats, nos caractéristiques. Et après, on doit choisir un personnage. Voilà, je vais vous montrer les personnages. Ok, bah j'ai déjà choisi un personnage. Je sais pas ce que j'ai pris. Il y a différents personnages, différentes classes de personnages. Là, il y a l'armurerie, il y a le forgeron, il y a tout. Donc en tout cas, j'espère que vous... Enfin, je pense que vous, normalement, vous devez connaître le jeu. Et le Père Noël qui passe en fond, pour ceux qui l'ont vu. Donc voilà, on va commencer, on va se faire une petite quelques runs tranquille. Hop, juste rapprocher le micro, voilà. Donc c'est parti. Alors les touches, je m'en souvienne. Voilà, ça c'est pour taper. Mais c'est bon, j'ai pas joué. Ok. Comment on fait pour ça? Ok, comme ça. Ok. Ok, ça va pas être trop compliqué. J'espère. Allez, hop. On va voir là. Et je sais pas du tout, ceux qui ne connaissent pas aussi, il y a 5 boss. Il y a 4 boss. Et quand on tue les 4 boss, donc dans différentes zones, les zones qui sont de plus en plus dures, il y en a aussi 4. Donc il faut trouver la porte du boss. Et une fois qu'on l'a vaincu, on peut passer au suivant en allant dans la zone du boss justement. Et voilà, en le tuant. Comme ça, quand on a tué les 4 boss, on accède au dernier, au 5ème. Ok, je pense, très compliqué, je ne sais pas. Je vais jamais terminer le jeu. Moi je suis niveau 39, donc les niveaux aussi, c'est. Comment dire, ça représente le nombre de fois qu'on a. C'est amélioré nos stats, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça, ou le nombre de fois qu'on a pris un personnage, je suis pas sûr. Ah, là on voit, il y a un coffre sur la map. J'ai pris pas mal cher. Ok, du gold, c'est cool. Toute la musique s'en a pas aussi. C'est un jeu un petit peu rétro niveau graphisme, mais ça va, c'est habitué, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup en tout cas. C'est assez prenant comme jeu. Un peu style Binding of Isaac en fait. Ok, pas prendre dommage. Donc ça c'est un coffre qu'on doit prendre, et un petit défi pour l'avoir. Ok, hop, je fais ça. Oh purée. Je réfléchis. Faut pas que je me trompe de touche. Je réfléchis. Ok, je suis tombé de touche. Non, c'est pas ça. Je vais attendre, voilà. Ah, je suis tombé de touche. Voilà. Oh non, je suis tombé. Je sais pas. Pourtant, la touche est sur. C'est D pour frapper. Oui, c'est bizarre, D, mais. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à la à toucher pourtant. Enfin, à toucher. À frapper. Appuyer dessus. C'est bizarre. En plus, comme par hasard, c'est. Ok, c'était idiot. Je suis dans les pics. Bon, moi je vais pouvoir vous montrer les différents personnages qu'on peut avoir. Oui, entrée. Donc voilà, là c'est tous les personnages que j'ai choisi avant. Donc il y en a plein. Donc là, c'est le personnage qu'on va choisir. Donc il y a un mineur. Et vous voyez les caractéristiques qu'il a. Donc à droite, voilà, c'est une niche. Les traits nostalgiques, tu as perdu le bon vieux temps. Donc lui, le trait, alors c'est le syndrome de la tourette, il me semble. Non, c'est peut-être pas ça. Je suis pas sûr. Et lui, son pouvoir spécial, il longe des lâches. Et là, c'est il frappe tous les ennemis sur l'écran. D'accord, c'est sympa. Et ça arrête le temps. OCD, hyper gonadisme. Ok, attaque, knock enemy, further. Ah ok, tu...
Quand on attaque les ennemis, ils se barrent plus loin. Ok, bon, je prends le Lich. C'est un personnage qui me semble assez puissant. Donc voilà, c'est le château. Donc on débloque les caractéristiques. Différentes. Évidemment, chaque fois qu'on augmente une caractéristique, le prix augmente. Là, je peux pas. Non, je peux rien augmenter. Bon, on y va. Ah, ok, c'est ça son trait. Il voit tout en gris et noir. Ok, en gris et noir. N'importe quoi, tout en gris. Un gris joli. Quoi. Un gris joli. Alors, c'est parti. On continue. Alors là, oui, j'avais fait un boss, là, tout en haut à gauche, c'est sur cette porte, en fait, on va accéder au cinquième boss. Voilà, c'est le boss, alors, voilà, la map, plus. Ok, vous voyez sur la map, là, il y a le taux, on est dans Castle, donc c'est le premier niveau de difficulté, donc j'ai battu le premier boss, après il y a Forest, le deuxième niveau de difficulté où il y a le deuxième boss, Tower, pareil, et Donjon, c'est le plus grand niveau de difficulté, où c'est très compliqué. Pour ça, faut vraiment jouer beaucoup de temps au jeu pour arriver là-bas. Cette salle est assez grande. Ah, pas comme ça. Oh, ok, j'ai tapé en arrière, c'est bizarre. Pas souvent la mana parce que c'est d'ailleurs je sais même plus quel bouton c'est. Attends, je serais pas le sur une chance sur deux que ça. Ah tiens, un petit aide, c'est cool. Et aussi, à chaque fois qu'on entre dans le donjon, si on a encore de l'argent, bah Caron nous prend tout. Enfin, parce que là j'ai une caractéristique qui permet de. Enfin, j'ai débloqué une compétence qui permet qu'ils prennent pas tout l'argent. Caron Obol. Ok, je sais pas à quoi ça sert, il me semble que je sais pas. Peut-être que Caron quand on rentre prend pas l'argent, je sais pas. Non, je vais pas prendre dommage. Ouh, j'allais dire ça va être plus facile, j'ai failli m'en prendre un. Bah, on récarne, voilà, je suis en train de dire. On va aller. Ah, on a un cul-sac, c'est parfait, nickel. Oula, genre le mec. Ah, trop de boutons cette fois. C'est pas facile parce qu'il y a plein de boutons. Truc en plus. Voilà, super. Non mais vas-y, oh là là. Je suis nul. Évidemment, je skip le truc et je me prends les piques. Forcément, c'est pas grave, on va continuer. Hein. Cage. Ok. Dwarfisme. Tu n'es jamais. Quoi? Ne jamais. To ride roller coaster, c'est prendre le train, un truc comme ça. Non, roller coaster, c'est montagne russe, il me semble. Je suis pas sûr. Comme le jeu, en fait. Roller coaster, Tycoon. Assassin, paladin. Oh là, il me paraît bien fort, je vais le prendre. Allez, hop. Il est un peu géant aussi, par contre. Oh, c'est rien, j'ai rien comme code. Alors lui. Lui, il y a rien, super, pas grand chose au niveau, ça c'est pourquoi, ah oui, les spells, capacité. Oui, ça c'est le truc inutile, les ennemis sont plus difficiles à battre. Je sais pas pourquoi il y a ça, et ça c'est, dommage, sans retourner à l'ennemi, c'est sympa ça pense. Donc, voilà, Caron, bonjour, enchanté. Ah voilà, il dit que j'ai son médaillon. Donc il me laisse passer sans rien me prendre. C'est cool. Ok, c'est reparti. C'est vrai que c'est pratique, il a une longue portée de d'attaque, c'est ça. C'est très pratique. Ouais, par contre, il me one shot. Les mobs. Oh, il m'a pris par-dessus. Carambe. Oh, c'est facile. Ouais, il y a un coffre. Oh, nickel, j'ai une longue portée de. De boutons, un peu la façon de Windows 2 d'ailleurs. J'y joue d'ailleurs avant la trop de boutons. Ok.
On va se calmer tout de suite. Oh non, il est trop grand ça. Non, bon, j'y vais en plus. Ok, ça je prends. C'est bon, il est vachement grand, c'est pas facile. Ah, ok, j'allais dire en montée ça devrait être plus facile, mais. Non, pas du tout. Ouais, c'est pas grave. C'est toujours des golds, c'est cool. Des fois, il y a des tableaux aussi qui sont très énervants. On les voit un peu bouger. Oh non, il a tapé à l'envers. Il a encore tapé à l'envers, il a tapé deux fois sur un bouche. Oula, mon jeu, c'est lag, on sait pas quoi. Allo, l'ordi, merci. Ah, il y a un peu de... Il va sauter, merci. Ah, c'est une armure, blue chest plate. Donc les parties d'armure qui sont sang, la blood, c'est un truc de vampire, il me semble. Enfin, ça regagne de la vie quand on tue un ennemi. Enfin, quand on tue un ennemi. Et je trouve aussi mal. Ah, un petit truc spécial. Un petit mini-jeu. Je vais gratter un petit peu. Ok, il faut faire quoi là? Change the wind press. Hit the target. Ok. Parti, on va faire ce mini-jeu. Tu veux A5 H to destroy. Ok, bah c'est parti. On va faire ça. Par contre, c'est quel bouton pour lancer les haches? Ah, genre j'ai un bouclier? Ah, je savais même pas. Le mec il découvre le jeu. Alors, il me semble c'est de vous lever. Ok. Okay. Ça va, non? 18, 88 plutôt, 44 gold, 440, je sais pas comment. Ça va, plutôt bien. Ça pourrait être facile par contre pour défoncer toutes les cibles. Ok, on va descendre, je suppose. C'est comme je suis bête, je pourrais. J'ai tué le boss de cette zone, je devrais aller dans la forêt. Ah, bah tiens, pardon. Un petit aide. Ok, je prends. La boussole. Ah, ça m'indique. Je prends le port du boss, il me sort. Un mini boss, très rare ça. Alors, c'est quoi son attaque spéciale? Ok, ça devrait aller avec un mec comme ça. Oh, je m'en doutais qu'il allait faire cette attaque, c'est pour ça que j'ai sauté. Non. En plus, il lâche plein de gold. Oh, dommage. Dommage, dommage. C'est pas grave, on va continuer de jouer. C'est trop cool ce jeu, je vais en prendre un mineur, mais flexible, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est cool. Okay, j'ai 1283 de gold, c'est ridicule. Je peux rien augmenter, je vais augmenter ma vie, mon attaque, ou les deux, tiens, non, je peux pas, ok. Grade plus 2, ok, on va augmenter mon attaque. Ah, c'est la chest plate blood. C'est ça, ça fait plus un vampirisme. Bon, je perds plein de vie. Enfin, 30 vie. C'est quand même beaucoup. Pour ça, je les prends pas. Alors, est-ce que je vais aller dans la forêt directement? Bon, allez, on va essayer, même si j'ai galéré rien que pour cette partie. Donjon, pas comme ça. Ok. Ah, celui-ci il doit essayer. C'est classique. C'est un mineur. Je sais pas ce qu'il a comme particulier. C'est le mineur. Il me semble qu'il ramasse plus de gold, mais je suis pas sûr. Je doute, plus de gold. Non, non, pas de. Ah, tableau vivant. Oh, genre il m'a eu. Oh, comment je t'ai feinté. Ah, toi je t'ai pas feinté. Ok, il va me voir par-dessous. Bah, allez, c'est pas le tableau. Ah, ça c'est pas facile. Ok, je vais attendre qu'ils arrivent les mobs. Bon, j'ai pas besoin de. Hop, non, je cheat. Voilà, je fais ça. Non, c'est pas comme ça qu'on passe. Ouais, c'est comme ça. Car un tableau vivant. Ça se voit, ils sont un peu. Je sais pas, ça se voit. Un peu nickel. Ça va, je gère. J'ai deux vies, je prends un coup, je décède. Et il m'énerve à taper en arrière. Il y a quelque chose en haut? Je sais pas. Peut-être.
Ouais, ouais, j'ai plus de vie par contre, donc donc non. C'est vrai que j'ai mon pouvoir que je dis jamais, c'est W. C'est pas la bonne idée du ciel. Là, tiens. Non, W, j'ai fait A, mais c'est pas grave. Voilà. J'utilise mon pouvoir, je suis trop content. Je sais pas, vous entendez pas trop les bruits de tout le clavier. Et plus ma voix. D'ailleurs, en parlant de voix, on va se filmer. Je vais encore un petit peu baisser le micro. Voilà. Voilà la forêt. Super. Ok, je fais quoi moi? Ah! Attendez. J'aimerais bien faire mon attaque magique, mais. Mais non. je passe en force. Voilà, comme ça. Ok, voilà. Le mec il saute au pile poil au moment où j'y vais. La blague. Le mec il a tout prévu. Bon, c'est pas grave. Et on continue encore. Assassin, Barbarian King. Et un autre assassin. Ok, on va prendre lui. The Bald and the Beautiful. Ok, super. Remember things with extreme clarity. Super. Je sais pas trop ce que c'est comme trait tout ça. Ok, c'est cool, on continue. Hein, c'est parti. Ah oui, l'architecte aussi, il permet de restaurer la version, le château qu'on vient de faire juste avant. Donc ça peut être pratique. Au cas où on a trouvé une porte du boss. Ça peut être sympa. Et par contre, les l'or qu'on aura, il me semble que c'est 50% en moins. Toi, je t'ai vu. Hop, 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 hop. Ah, il a encore tapé en arrière, c'est énervant. Oh, mais il y a plein de tableaux partout. Allez, stop. Mais ça va aussi être aussi malchanceux ou quoi? Mais arrête. Mais, ok, ok, je m'en vais. Ok, je m'en vais. Donc, mes touches qui bug. Peut-être moi qui bug. Ah si, on voit les ennemis sur la carte, c'est pratique. Oh oh. Eh, hey, par contre il a plein de vie. J'ai déjà mis le life en deux salles, super. Super. Aucune raison que c'est lag, c'est le jeu, hein, c'est pas l'ordi. L'ordi tout neuf qui commence à laguer pour un jeu comme ça, ça le fait pas. Oh les boules de feu, méchant bonhomme. Tiens. Hop, toi aussi. Tiens, je te lance une petite hache. Et encore une fois. Le mec se passe vers les murs et... Ça c'est les gros machins ronds, c'est les téléporteurs, je viens de le dire. Ouais, ça par contre on va éviter d'y aller parce que c'est le dernier niveau. Ouais, si, allez hop, on y va parce que YOLO. Ok, on va aller là, là, là. Ok, pas d'ennemis pour l'instant. Oh la blague, le mec il saute deux fois alors que je veux aller en dessous. C'est quoi ces machins? Ah, c'est des ninjas démons. Ok, je m'en vais. Voilà. Ok, ils font masse, ils ont trop de vie pour moi. J'esquive rien du tout, je suis... Oh, j'ai bien esquivé. Ok, je m'en vais. Salut. Oh, la blague. Mais voilà, vous voyez, la chance que j'ai, j'avance et je me prends un truc de la tronche. C'est juste moi qui est mauvais, je peux rager sur le jeu pour rien. Allez, encore une dernière run. C'est pas le Kiev, je sais pas ce que c'est. On va prendre l'assassin. Et j'ai toujours si peu de gold. Ok, là aussi c'est un truc. Sinon, il y a un autre bouton aussi qui permet d'activer notre pouvoir. Non. Ah, si c'est A, d'accord. Je viens de trouver un bouton. Je dis jamais les pouvoirs. C'est trop, j'y pense pas en fait. J'ai trop de boutons à gérer en même temps. Oh, c'est pas... Mais...
qu'est-ce qui tout le temps en arrière là? Là. Ah, fais comme ça, c'est chiant. Hop, je prends ça. Oh, je fais critique. On va rester quand même dans la première zone. Hein, parce que voilà, sinon il n'y a pas de gameplay. Oh l'arnaque. Et voilà, encore une mauvaise manip de bouton. Je vais aller en bas. Sauf qu'il est bien sauté en haut. Putain, il a pas sauté en bas. Non. Pas sûr, merci. Il y a trop de tableaux là. Mais voilà. Oh, je commence déjà à rager. Ça, pas le fond. J'appuie sur le bouton, mais ça active pas tout de suite. Enfin, l'attaque pas tout de suite. Ah, il me semble que la sensation. Oh. Ah, c'est saoulant. Oh la blague. Oh la blague. Ah, le jeu il vient. C'est un truc de fou. Ok, mineur. On a vu que la même partie est trop mauvaise, je continue. Non mais c'est vraiment énervant parce que genre je veux dire je veux aller en bas, je fais la touche du bas et puis ça il saute en haut. Je vais frapper, il met 3 secondes à frapper, du coup je vais tester, c'est super. Ok, j'ai compris qu'il pète un objet, le mec, il y a des coups. Ok. Tiens. Oh, ok. Ouf, excusez-moi, il faudrait le bouton de défaite. Oh, les ennemis, c'est pas très facile là, toute ma vie. Oh, oh. Oh genre toi tu... Oh genre. Mais la blague c'est ça sans pouvoir de... Tu pourras là me faire perdre la vie. Je t'ai porté. En fait j'appuie sur A alors je vais appuyer sur cette touche. Non pas cette touche. Enfin bref. Alors une rune, super, remplir rune. Un truc que je dis jamais. Et j'ai encore utilisé la mauvaise touche. Quand j'ai pas vu, il y avait deux. Okay. Mais allez, espèce de géant de... Nul. Voilà. Allez, je vais continuer. Ce jeu quoi. Heureusement que je joue pas régulièrement. Mais tiens, j'ai la porte du boss. Et j'ai déjà fait. Ça sert à une porte fermée. Oh, bon, pas grave parce que il y a plein de gold. On va aller dans ce forêt qui n'est pas encore là. Tiens, c'est quoi cette géant? Ah, ah sérieux, je peux pas sauter assez haut là. La blague. Allez. Oh purée, la blague. Je saute pas assez haut. Oh, la blague. Je sais même pas comment on fait pour aller. Surtout j'ai un double gem que j'ai acheté. Donc, je sais pas comment on peut faire pour le faire. Ah voilà. Ah oui, hein. Il y a un homme en arrière-plan qui je sais pas ce qu'il fait là, il est en mode YOLO un peu. Dégelé, slam. Ah, un coffre. Je reprends une gold. Ok, un petit toutou que je me suis pris en plein tronche, c'est fantastique. Bon, on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette petite vidéo sur ce jeu vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.